à tous et bienvenue à cette dernière édition des Pifs de Tintin. Vous savez, c'est triste, on va continuer comme ça. Mais on ne sera pas triste, pourquoi? Parce qu'il y a une très grande cérémonie qui approche. Donc on va naturellement commencer par la plus grande, la plus prestigieuse, la plus attendue cérémonie de récompense de la musique, de la comédie et du cinéma dans la sous-région de l'Afrique centrale. Le compte à rebours est lancé ce vendredi 25 août. Nous sommes à 65 jours du 28 octobre, soit 9 semaines et 2 jours par là. En ma qualité de Run des Efforts People, je ne peux que vous inciter à aller vous abonner massivement à la page du Canal d'Or pour ne rien rater des informations croustillantes sur cette magnifique cérémonie qui approche. Et bien sûr, tout comme moi, vous êtes sûrement en train d'attendre pour savoir qui va remporter les différents records. Actuellement, nous avons le record du plus grand nombre de trophées qui a été remporté en soirée. C'est Daphné qui l'a eu dans l'acte 12. Elle avait eu 4 trophées de la même soirée. Est-ce que ce record sera battu? On attend ça le 28 octobre. Il y a également le record de moustique de charismatique. Est-ce que ça pourra être battu? Lui qui a obtenu la palme d'or du grand nombre de distinctions d'affiliés au Canada. On se souvient de l'acte 10, de l'acte 11, de l'acte 12, où il a gagné successivement. Est-ce qu'il sera évincé? Ça, on le saura le 28 octobre prochain. Et on continue avec des awards, toujours des récompenses pour les Camerounais à l'étranger pour la première édition de Trace Music Awards qui se tiendront du 20 au 22 octobre 2022. Nous avons 4 stars camerounaises qui sont nominées. Il s'agit de Libyanka dans la catégorie meilleure nouvelle artiste. Nous avons Christiane dans la catégorie nouvelle meilleure artiste. Nous avons Locan dans la catégorie meilleure artiste francophone. Kossi également dans la même catégorie. Et Taek dans la catégorie du meilleur danseur. Et on va continuer du vendredi 25 août, le jour où toutes les sorties musicales seront présentées. Nous avons l'idol au grand public qui va montrer son vidéogramme de Nassau Idé. Et depuis que cette chanson, vous voyez le jour, bon, elle est déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute légales. Mais la vidéo, c'est ce soir, ce 25 août. Et on va continuer avec Dynasty qui est de retour. Oui, c'est également un grand jour pour Dynasty, le titre qui a besoin de signaler son grand retour sur le top des classements depuis quelques jours. Il est installé en France avec Oser, son nouveau single qui sera également disponible ce soir. On regarde. Famille, je suis béni. Des boulevards à Panama, on finit au zénith. J'ai chanté avant d'avoir tous les mots. J'étais le plus talentueux de tous les mondes. Les autres font du pas, je veux du bif seulement. Paye maintenant. Parlons d'artiste béni. Cabral Nandip est toujours dans nos cœurs à tous. La légende du football, Samuel Eto'o, a visiblement été aux côtés de la famille de Cabral Nandip qui nous a quittés il y a de cela quelques mois suite d'un accident de circulation. Le Gambier est allé essuyer les larmes de la famille nucléaire comme on peut le voir sur les images. Mais également ce jour est très grand. Pourquoi? Parce qu'il annonce la sortie officielle de la vidéo du titre Le Feu de l'artiste qui est l'une de ses 8 chansons complètement prêtes que Cabral nous a laissé dans l'une de ses chansons à titre posthume qu'on découvrira ce 25 août. Et on va terminer par un immense bravo à la superstar de gospel Indira qui a franchi la barre de 1 million de vues sur YouTube. Et oui, en 2 semaines, alors, tout sauf la honte a explosé dans les playlists. Je veux qu'on applaudisse. On a applaudi pour elle. Applaudissons d'abord. On a applaudi, je crois que finalement, il faut faire un peu de buzz. On fait une communication, une contre-communication sur son projet pour que ça marche. Parce que décidément, c'est ce qui donne un peu plus de... Bon, pour la... de pouce aux nouveautés, aux sorties musicales. On a vu Stanley avec les challenges, la vidéo et tout. On a vu lui dire à qui nous a fait bluffer, qui nous a fait dire qu'elle était mariée et tout. Il y a celui qui pleurait, il pensait que sa croche allait partir, mais bon, Stanley n'est pas marié, t'inquiète pas. Donc on félicite Indira pour ses 1 million de vues sur YouTube. Je pense que c'est un record pour elle. La dernière fois qu'elle avait fait 1 million, c'était en featuring avec KS Bloom dans le remix de sa chanson. Mais personnellement, c'est la première fois qu'elle explose comme ça en moins de 2 semaines parce que hier, quand j'ai checké les vues, ils sont qu'à 13 jours, donc moins de 2 semaines, elle est déjà à plus du million. Donc vraiment, félicitations à toi. Et étant donné qu'on va se séparer, je veux qu'on se sépare bien.
avec quelque chose d'assez joyeux. Il s'agit de l'animation d'une animatrice pour enfants. Elle, c'est Tata Choupi. Voilà, on lui fait d'abord un coucou. Hey, et on dit à nos chers téléspectateurs que si on se sépare, ne vous séparez pas de Tata Choupi. C'est l'animatrice par excellence pour vos événements, pour vos enfants. Elle fait plein de services, les communions, les baptêmes, les voix bébés, les foires, et la déco, le maquillage pour enfants, l'éducation, les jeux. Vraiment, Tata Choupi, c'est la personne idéale pour enjoliver les événements de vos enfants du là. Les vacances se terminent déjà. Donc pour les dernières fêtes des enfants à la maison, pensez à Tata Choupi. Voilà. Merci. Comment faire pour la contacter? Pour la contacter, il y a une affiche qui est en train de passer là pendant que je parle. Il y a l'affiche que nos téléspectateurs sont en train de regarder. Donc avec ça, ils auront toutes les informations pour contacter Tata Choupi, la meilleure animatrice pour enfants. Voilà. D'accord. Merci pour ces informations, people. On est le 25 août 2023 et c'est l'anniversaire d'une fidèle de fidèles du programme. Elle s'appelle Tracy Takam. Elle a 11 ans aujourd'hui et on lui souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Tracy. Tu as 11 ans, tu es à la porte de l'adolescence. À bientôt. Beaucoup de courage à toi, beaucoup de succès, beaucoup de réussite à l'école aussi. Continue de regarder Tchin Tchin. C'est vrai que c'est la finale aujourd'hui, mais on sera connecté toujours sur la page Facebook de l'émission où vous pouvez continuer d'envoyer vos photos et de commenter, de dire quels sont les beaux moments que vous avez vécu en notre compagnie. L'émission se poursuit à l'instant avec Senet, ce qui fait le buzz sur la toile. Nazira Sikol.